Alors, ça se passe pendant la guerre de 40, ils sont tous les deux sur une plage. Pendant la guerre de 40, il n'y avait personne sur la plage. Laisse-le raconter son histoire. On la connaît, son histoire. Mais nous, on la connaît pas. Tu la connais pas? Non. Bon, ils sont sur la plage, ils s'embrassent, ils commencent à se déshabiller, quoi. Et alors, le type, tout à coup, il voit un chat allemand qui fonce sur eux, alors il fait « Oh, lèche-le, lèche-le !» Et la fille, elle lui dit « Je peux pas. » Je peux pas, laisse-le, je peux pas, il est plein de ça. Laisse-le. Mais comprends, je dis rien. Laisse-le, t'as compris. Tu n'as rien, mon gars. Regardez les enfants, regardez ça, c'est une belle ferme. On va prendre des œufs, vous allez voir la différence. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Regardez les petits poussins là-bas. Oh, et les canards, vous avez vu les canards? Et la petite poule noire, ma chérie, vous avez vu la petite poule noire? Ah ouais, c'est une ferme. Mais cette bonne odeur, vous sentez, ça vous rappelle rien cette odeur? Ça sent la... Ça sent la merde. Ah, tiens, voilà le fermier. C'est pourquoi? Les gens de la terre sont un peu bourrus, mais ils ont le cœur sur la main. Bonjour, dites-moi, belle ferme. Hein. Et on aurait voulu des œufs et un poulet, un bon poulet cacouru. Qui a couru et qui court encore. Pas eu le temps d'en préparer. Bah des œufs alors. Pas eu le temps d'en ramasser, j'ai rien. Tu vas la fermer, toi? Oh, il est mignon. C'est quoi? Un chien. Non, je voulais dire comme race. On dirait que tu es belge, non? Comment il s'appelle? Il s'appelle pas, il a pas de nom. Il est pas mignon, c'est un con. Bon, faut que j'y aille. Les enfants n'ont jamais vu de ferme. Serait-il possible de leur faire visiter un peu les... Je vais vous emmerder quand vous travaillez, moi. Allez, venez les enfants. On s'en va. Bon, ben ce soir, on va manger une pizza. Ouais. En attendant, on fait quoi? On va visiter les vieux lavoirs qui puent. Tu montes dans la voiture et tu te tais. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Julieta. Moi, je m'appelle Aimé. Et j'aime les animaux, j'aime le France, le Paris, le Moulin Rouge. Je vous trouve très beau. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Emmanuel. Moi, Aimé. Enchantée. J'ai 27 ans. Je parle la langue française. La langue française. Elle aime la culture. La culture. La culture française, un plat de mancara francesca, la cuisine française. Je suis bonne après Edith Piaf. Edith Piaf, j'aime Edith Piaf. Elle adore Edith Piaf. Mon rêve est de devenir chanteuse et danseuse. Et je vous trouve très beau. Je m'appelle Clarisse. Moi, Aimé. I love Paris and France and Tour Eiffel and Champs-Élysées. Elle sait que c'est la campagne. Oui, mais c'est en France aussi. Îmi place să gătesc, dar nu-mi place să fac curat. Alors, elle adore faire la cuisine, mais le ménage, pas du tout. Ah bah oui, mais ça, c'est pas... C'est, on peut pas. Ah, c'est... Ah bah, et? Non, bah attends, attends. Bonjour. Bonjour. Voilà, j'ai 20 ans, je fais des écoles d'économie, mais je me voyais de devenir une star de télévision. Une VIP? Oui. Oh, c'est charmant, laissez. Et, you know what? Je trouve que vous êtes un très très beau homme. Je m'appelle Dana. J'ai 28 ans. J'ai studié la comptabilité. Elle a étudié la comptabilité. Oui, secrétaire, tu sais. Un plat copie. Elle adore les enfants. Et j'adore Paris. À Paris, oui. Ah oui, mais moi, c'est pas à Paris. Moi, je suis à la campagne. J'ai une ferme. Une ferme? Bah oui, une ferme.